C'était quand là? C'est vous voyez mon écran? Oui. Voilà. C'est une application qui permet à ses utilisateurs de pouvoir développer leur business. Parce qu'ici au Sénégal, c'est pas évident d'ouvrir une entreprise et voilà, de pouvoir gagner en visibilité parce que ça coûte très cher avec les taxes, sans parler des taxes, des impôts, etc. Étant donné que voilà, on a la technologie, on a les réseaux sociaux, etc., on s'est dit pourquoi ne pas rendre accessible la création d'entreprise pour les jeunes businessmen. Parce que vous voyez sur WhatsApp, sur Instagram, il y a des gens qui essaient de vendre des trucs, que ce soit des téléphones portables, des ordinateurs ou bien même des vêtements. Et tout ça, c'est combiné en une seule application et il n'y a pas de limite de contact. Bon, on va voir ça dans le plan. C'est une application pour développer et rendre accessible votre business dès maintenant. Qu'est-ce que vous voyez la présentation ou bien le... Oui, la présentation. Attention. Alors, dans le plan, il y a déjà l'introduction qu'on verra. Et ensuite, il y a les problèmes, vos solutions, les problèmes qui sont là. Et les solutions qu'on propose. En deuxième partie, on va parler de la valorisation dans l'application. En troisième partie, les technologies qui ont été utilisées. Et en fin de partie, la démonstration de l'aide d'application. En introduction, bon, Newman est une application mobile permettant aux petits et grands entrepreneurs africains de gagner en visibilité et de se rapprocher de leurs clients. Et ce, le plus naturellement du monde. Parce que, voilà, on a essayé d'imiter le maximum le marché africain quand vous allez dans un marché hebdomadaire, le marché Luma. Là, c'est tout le temps ambiant. Il y a de l'ambiance ici, il y a des sons par ici, c'est bruyant. On a voulu imiter cela et mettre ça de manière virtuelle dans l'application uniquement. On va parler déjà des problèmes et des solutions. La cherté, bon, comme je le disais tout à l'heure, la création d'une entreprise est très chère ici au Sénégal. Le fait d'avoir un INEA, voilà, se censer au registre de commerce, etc., ce sont une procédure fastidieuse et voilà, qui est chère et donc reste inaccessible pour certaines personnes. La création d'une entreprise dans le monde est moins onéreuse. Voilà, la visibilité faible. Les petites entreprises ont du mal à gagner en visibilité. Voilà, comme les WhatsApp là, les limites de contact sur les existants, bah, ça c'est. Je peux dire que je parle de WhatsApp là parce que ça c'est limité au contact. Quand vous développez votre business sur WhatsApp, votre business, ça reste limité sur vos contacts. Et la culture, bon, la culture. Les applications qu'on utilise la plupart du temps, c'est centré sur la culture occidentale. Alors, nous, on n'est pas vraiment familier avec ça. Et donc, bon, les existences, la culture des existants ne correspond pas à la culture africaine. Voilà, certains, voilà, sur la culture, bon, c'est ça le problème des existants. Mais nous apportons une application ergonomique ressemblant le plus naturellement possible au marché africain, avec des contacts illimités. Les solutions, il y a l'accessibilité, voilà, qui rend le fait de rendre accessible la création d'entreprises moins onéreux donc, bon marché, public vaste, gagnant en visibilité et la culture aussi. Alors, maintenant, on va passer à la modélisation. Le diagramme de cas d'utilisation, bah, pour l'instant, je l'ai simplifié parce qu'en fait, il y a plusieurs modules à implémenter. C'est vraiment une application gigantesque. Mais j'ai pour l'instant réduit les cas d'utilisation qu'on a à quelques-uns.
Maintenant, l'entrepreneur, bon, Sylvain, il crée son compte avec son management, son nom, etc. Après ça, il peut soit lire les posts, savoir les articles. Quand tu parles de posts, c'est-à-dire les articles, les produits qui ont été publiés dans la plateforme. Il peut liker, disliker, commenter ou partager. Il peut marchander, il y a un chat qui a été fait dans l'application. Il peut afficher les statistiques de l'entreprise, bah, ça, je ne l'ai pas encore fait. C'est-à-dire savoir quels sont les produits qui sont les plus vus, les plus commentés, etc., les plus aimés par les utilisateurs. Il peut créer un post, c'est-à-dire ajouter un nouveau produit. Il peut lire un post, bah, ça, c'est déjà ici, pourquoi je l'ai reproduit. Il peut supprimer ou bien modifier un article. Il y a aussi le diagramme de classe. Ici aussi, j'ai réduit les diagrammes. Bah, il y a beaucoup plus de classes que ça. Et pour les raisons de simplicité, de temps, bah, je préfère réduire. Il y a les visiteurs. Les visiteurs, lui, il peut suivre plusieurs catégories. Bon, les catégories qui l'intéressent, parce qu'on n'est pas intéressé forcément pour les catégories d'articles du monde entier. Bah, je suis, par exemple, informaticien, bah, je peux m'intéresser au téléphone. Bonnes, aux amateurs, etc. Un article est dans une catégorie. Désolé, quelqu'un qui m'appelait. Un article est dans une catégorie. Un article a des likes, des dislikes et des commentaires. Un commentaire, bon, a des réponses. Les réponses, je ne l'ai pas implémenté. Et un visiteur peut faire un commentaire, un like ou voilà, un dislike. Bon, les technologies utilisées, c'est assez simple, hein. Il y a Firestore et Flutter. Firestore comme back-end, avec Firestore Storage pour les fichiers, les audios, etc. Enfin, vous verrez les audios. Et Flutter pour l'application mobile. Il n'y a pas de partie web, hein, parce que c'est vraiment destiné aux clients. Il n'y a pas encore de partie web. Maintenant, on va passer à la démonstration. Ça, vous voyez le code là? Oui. Voilà, c'est ça l'application. Il y a différents dossiers. C'est organisé en plusieurs dossiers. Il y a les commandes de dossiers communs. Voilà, pour chercher de modules. C'est des dossiers qui sont partagés par plusieurs. Bah ça c'est les constantes, plusieurs composantes de l'application. Il y a les couleurs là de l'application, les espacements, les préférences système avec le share preferences, là les interfaces. Bon, il y a deux thèmes, hein, le light theme et le dark theme. Mais bon, le dark theme, je l'avais commencé, voilà, il y a ces couleurs, mais voilà, à force d'évoluer, qu'il y a plusieurs écrans, comme que tous les écrans, je n'avais pas un design pour tous les écrans. Donc, bon, j'ai préféré éviter d'implémenter le Dark Team, sinon voilà, ça va prendre beaucoup plus de temps. Il y a les utils, voilà, pour les fonctions utilitaires, il y a les widgets, etc. Il y a le cœur de l'application, voilà, les extensions, voilà, pour apporter un peu plus. Au langage de programmation Dart. Il y a les modèles, les articles, les catégories, les commentaires, les discussions, les messages, les utilisateurs et les écrans, les services, etc. Voilà, ça c'est la configuration de Firebase, etc. Et pour le main, bon, j'ai utilisé Provider, bon, c'est le package. Un package vraiment très utile qui permet de. Bah, c'est Gnarl qui l'avait utilisé aussi. Hein. Ça permet d'injecter des composants dans l'application parce que plutôt lui utilise les arbres là. Donc c'est pas évident de prendre une donnée, de le passer du root de l'application vers un nœud. C'est là qu'intervient Provider qui permet d'injecter ces composants automatiquement. Voilà. Et par ça,
Il y a le Firebase, on a les catégories, les articles, les commentaires, les discussions et les utilisateurs. Voilà. Pour chaque discussion, il y a une sous-collection qui parle des messages. Il y a l'authentification qui est activée aussi par Firebase. C'est le storage. Ah, ok, là, ça me permet d'enregistrer les photos de profil, les images, les audios, bien des articles. Bon, je n'ai pas utilisé le real-time database, mais j'ai utilisé l'authentification de Firebase, qui se trouvait ici, avec les différents utilisateurs. Voilà, ça, c'était les technologies qui ont été utilisées pour l'implémentation de l'application. Maintenant, on va passer à la démonstration. Qu'est-ce qu'il faut faire là? C'est bon. Voilà, ça, vous voyez l'écran, les deux téléphones, l'émulateur et le buzzer. Oui. Voilà, voici l'application. Pour vous montrer la connexion, je voudrais mettre les temps. Je tourne déjà. C'est toujours en cours de test, donc c'est pas vraiment tout à fait prêt. J'ai même un bug sur les discussions là. Bon, le temps que tout là. Le temps que ça reboot l'application entièrement, on va montrer ici l'application. Là, ça, c'est la page d'accueil de l'application. Une fois que l'utilisateur est connecté, qu'il s'inscrit et qu'il se connecte, voilà, ça, c'est la page d'accueil qui montre sous forme des réseaux sociaux qu'on a l'habitude d'utiliser. Donc, c'est très ergonomique. Là, les différents articles qu'on peut voir avec les likes, les dislikes et les commentaires. Là, on peut liker, on peut disliker aussi. Voilà. C'est que les autres sont d'accord que c'est très ergonomique aussi. En fait, j'ai voulu imiter le maximum possible les réseaux sociaux parce que beaucoup de gens utilisent les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Instagram. Ce sont ces deux réseaux sociaux qui m'ont inspiré le plus, surtout Twitter. Donc, je ne voulais pas que quand l'utilisateur entre dans l'application, qu'il se perde et qu'il ne sache pas ce qu'il faut faire. Je voulais qu'il sache automatiquement ce qu'il doit faire. Et là, c'est le truc le plus intéressant, ce sont ces audios-là. Je ne sais pas si vous allez l'entendre. Je sais pas. Là, c'est comme avec les marchés hebdomadaires. Là, voilà. Vous passez dans un marché et vous entendez quelqu'un Dalumadia, etc. Ça, c'est ce qu'on a voulu faire ici avec les audios. Vous entendez? Oh, faiblement, mais on entend, je pense. Salam alaikum, ok. Là, ça y est, vous m'entendez? Oui,
Oui, c'est bon, on a entendu. C'est ce qu'on a voulu faire, et là, on peut voir les détails. Mais le problème, bon, maintenant, il faut que tu nous montres, avec, puisque tu n'as pas de back-end, comment, à partir du front, le client, ou je ne sais pas, celui qui gère, peut rentrer toutes ces informations-là, si elles ne sont pas stables. Si, en fait, c'est le back-end, ce n'est pas Store. Ce n'est pas Airbase. Ah, donc, il faut que le ball là aille sur Firebase et Firestore pour mettre les informations. Non, non, c'est depuis l'application mobile qui ajoute ces informations. C'est ça que je veux que tu nous montres. D'accord, je suis en train d'y venir. Un exemple. Oui, hmm? Oui, c'était prévu de vous montrer ça. Vas-y donc, parce que tu es maintenant à combien de minutes? 17 minutes, je pense. D'accord, je vais faire vite alors. Et là, il y a cet appareil photo-là qui permet d'ajouter un nouveau article. Là, je peux prendre une photo, par exemple. Ici. Ah, c'est bon, bon. N'importe quoi. Nom du produit, voilà. Qui est un produit. La catégorie, informatique. Prix. Description est là. Je peux inscrire un lieu, par exemple, là, je dis. Ordinateur média, etc. Et là, j'enregistre. Et là, je peux voir. Et là, j'enregistre. Voilà, il y avait un bug, moi, je ne sais pas si c'est raté. Hein. Il enregistre l'article, mais bon, il ne redirige pas le truc vers le root article. Là, je ne sais pas pourquoi. Là, vous voyez que c'est venu. Il y a le produit, 12 millions et la description. Bon, l'image est en cours de téléversement. Voilà. Et maintenant, c'est fait. C'est depuis l'application qu'on ajoute un article, un commentaire. Je cherche ton commentaire là. J'ai un commentaire. Il y a là. Le gain, il y a moins de minutes, etc. Voilà, si. Ça, c'est la partie qui permet d'ajouter des. On peut rechercher aussi. Qu'est-ce que je fais là? On peut rechercher aussi, par exemple, ici, j'ai dit un produit. Voilà, ce que j'avais, je vais créer tout à l'heure. Voilà, je peux le rechercher. Et ici, je peux filtrer, faire des filtres comme avec les e-commerce là. J'ai dit informatique. Je dis le prix, c'est entre 60 000 et 200 000. Je filtre. Là, qu'est-ce qui se passe? Oui, ça fait partie. Hein. Et là, on a les autres produits. Ça allait tellement vite que je croyais que ça n'a pas marché. Voilà. Là, il y a l'iPhone 5 voilà, qui est en cours de. Il y a les sneakers bon, qui se trouvent être dans la catégorie informatique bizarre. Il y a les ordinateurs de bureau, etc. C'est pour montrer les filtres. Je pense qu'on peut rechercher. Ou bien, ça c'est montré. Il y a aussi le profil. Voilà. Les articles que j'ai publiés, l'utilisateur qui est connecté, les articles qu'il a publiés, c'est tout ici. Il peut liker, disliker, etc. Bon, les boutons de suivi, ça, je ne sais pas implémenter, mais bon, c'est prévu. Et en dernière partie, il y a les chats. Bon, là, je discute avec qui, ça a été un peu de bon, je ne préfère pas. Je peux voir les contacts. Et là, voilà, je vais discuter avec.
C'est ça le bug dont je parlais. Quand je clique sur Hussein, normalement c'est Hussein qui doit s'afficher ici, mais bon, je ne sais pas pourquoi il a dit mode. Et là, vous montrez comment marche le chat, par exemple, je dis Jen, Dynamics, comme là, je dis Pass, qui n'est pas correct. Voilà, il met le mot de passe incorrect. Je ne sais pas si vous voyez. Là, je ne sais pas si. Parce que Firebase lui dit que ça doit être minimum 6 caractères. Voilà, il est connecté. Et quand je fais dans le chat là. Là, je suis en train de discuter avec René. Là, vous voyez là où il n'y a pas mon adresse mail. Je clique sur nous. Voilà, il y a les permissions. On les this time. Voilà, ça avec le package permission là. Je l'ai implémenté. C'est ça que le bug que je n'arrive pas à comprendre. Il faut discuter avec ça. Quand je dis bonjour, voilà, vous voyez qu'il y a le bonjour là. Il dit que bonjour, chanteur. Voilà, je vois que donc, le chat marche très bien, sauf que voilà, y a un peu que je ne comprends pas. Pour les appels, les vidéos, voilà, c'était prévu, mais bon, malheureusement, Firestore ne fait pas ça. S'il y a eu, je pourrais avoir un back-end pour le faire avec le WebRTC, Real Time Communication. Donc, je pense que quand on fait le tour, on à l'application de Newman. Merci beaucoup. Bonne continuation. Merci à vous.